Salut, c'est Serge Cavard, donc pour une nouvelle vidéo, donc le quatrième épisode de notre Let's Play sur Lego Star Wars 3 The Clone Wars, en compagnie de... Twisty. Voilà, donc ça fait une semaine maintenant qu'on a tourné les trois précédents épisodes. Les trois ont été publiés sur ma chaîne, le troisième il y a 2 heures pour moi au moment où on tourne. Donc voilà, j'espère que cette série vous a plu, j'ai vu que le premier épisode et le deuxième ont pas mal marché. Voilà, donc ils ont pas mal plu, donc moi je vais changer tout de suite, Kit Fisto. Moi j'ai la base, là je peux faire des sauts de l'ange. Alors on va tout de suite avancer dans l'aventure. Ça sera pour l'épisode 5, bon on va rien dire. Bon c'est pour l'épisode 5, mais on dira pas d'accord. Alors ça c'est quoi, le crash? Alors dans la saison 1 c'est à peu près... Non. C'est quoi embuscade? Bon, vous savez quoi, allez, on va continuer dans V13 sans finesse, toujours, comme l'épisode 2. Ouais. On va baisser un peu le son de ça, au cas où, pour pas que vous l'entendiez. Assage V13, chapitre 2, embuscade. Embuscade. Ah, mais c'est le tout premier épisode, en fait. Maître Yoda est parti à Rigosa afin de convaincre les Toy Darien d'accepter la République comme protection. Cependant, Assage Ventress négocie déjà avec le roi Kartunko son allégeance aux séparatistes. Ah bah je suis Yoda et toi tu vas voir la Sulfatos. Ah, c'est la place. Lorsque le vaisseau de Yoda s'approche de la petite lune, des vaisseaux séparatistes s'apprêtent à l'intervenir. Non. C'est ok. Vous savez, Yoda, juste... Alors si je me souviens bien des noms, Jack, je sais qu'il y en a un qui s'appelle Jack, c'est tout. Et il y en a un, il a une sulfateuse et il aura plus la sulfateuse en cours de mission, mais je vais rien spoil. Je vais pas te dire pourquoi, mais ce que je suis sûr que tu en as déjà fait. Tu t'en souviens toi? Ouais, c'est bon, il s'en souvient. Elle avait une très souvent en finesse. Alors bon, on est des armées, on est des tigres. On a rien, on a aucun pouvoir. C'était une blague. Eh oui. Ouais, c'est qui? Alors, alors t'as la roquette. Alors fais gaffe parce que une mort en up smash les gens. On va garder ce concept finalement. T'es pas mort, ça. Non, c'est un autre. T'inquiète pas. C'est toi que je vise. Et là, 66, c'est pas le bruit. Execution. Alors les gens, je crois que je vais le biffer. Faut que tu prennes Jack. J'ai déjà Jack, je te rappelle. Bah alors prends celui qui a la sulfate. Voilà. C'est pas des guerres, colonel. Là faut que tu prennes celui qui a le lance pas Jack. Prends Jack. Et oui. Et alors, on va meuf des pays. Ils ont pu. De coup, Yoda. Ah mais je vais le. À l'épisode. Ouais mais d'habiter les spadroïdes. Mais non parce que si je tire tu veux crever avec. Pour prends lance-roquette tu les fais tout sauter. D'accord. Il y en a plus maintenant, il y en a. Ah merde, on avait plus, d'accord, excuse-moi. Alors Yoda, on se fait défoncer par un clone. Tu fais que perdre du temps, Yoda. Fais pas le barreau, c'est pas trop bien, encore une fois. Monsieur, deuxième pompe. Chef, 1m75, chef. 1m75, jamais vu un tas de merde aussi haut que ça. Ah mais c'est que c'est auto-guidé. Eh oui, c'est auto-guidé, tu crois que je vise bien ou quoi? Yoda, tu te souviens mes ordres maintenant? Ça ferme ta gueule. Pardon? Pardon? Aïe! On m'en bat les couilles. De toute façon, qu'on a raté le smash. Aïe. Là, faut que tu prennes l'autre. Je sens que tu vas te manger dès que je prends l'autre, je sais pas. Non, allez, vas-y, prends l'autre. Et non, c'est une fausse!
Alors ? Tu étais l'élu, c'était toi ! La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux ! Fils de pute ! Allez, on avance dans la mission. Ouais, t'as raison. La mission n'est pas de tuer Yoda. Execute the Order 66. J'ai récupéré avant que tu m'as volé déjà. Faut que j'en pleure. Mais non! C'était une feinte. Bon, ça va faire moins le barbeau maintenant. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs? Ah, oh, chez Yoda épicier, c'est pas Naruto. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, viens là, toi, avec ton arme. Tu veux un combat de Jedi, c'est ça? Eh bien, sache que non. Alors, surtout, tu ne descends pas. Tu attends. D'accord. Quand je dis à la terre. À la terre! Non. Allez, à l'attaque! À la terre! Je vous couvre! Ouais, attention, ça va sauter. Allez, Eden, allez, on avance. On avance. Je mettrai une musique épique. J'attends de vous. Vite pas les gros droïdes, par contre. Aïe, je vais les rocher sur la gueule. Franchement, qu'on a raté les deux flashs. On les a pas arrêtés. On verra, j'en mettrai quand j'aurai envie. Les morts que tu me tutoies ne comptent pas. D'accord. On va quand même faire un paquet. Bon, c'est... voilà les gens, moi c'est Yoda. Ouais, les gens, moi c'est Claude qui est là, qui danse. Hop là. Allez, plus qu'à la toastie. À l'assaut! Tu me fais de la thune. Ah, oh, je t'ai renvoyé missile sur toi, mec. Non, regarde, je suis encore plus du cœur. Aide-moi, mec, faut que tu tires. Ok! Ah non, il faut ça là. Oui, c'est ce que je t'ai dit, faut que tu tires. Je suis le maître du monde! Bonjour Yoda. Fais gaffe, on arrive à vous destroyer. Oui, mais vous arrivez à destroyer! Ils ont des missiles. Les trucs à protection rouge ne craignent pas les missiles. Faut les pousser ou les détruire avec des rochers. Ah ouais? Les bleus par contre, si. Faut que tu tires partout. Tire sur les... Non, pas sur moi, mec! Nous étions comme des frères! Je t'aimais, Anakin! Et t'as dit tire partout, moi je... Tire sur les trucs argentés en haut. Non, tire pas sur lui. Mais celui-là, je peux pas, par contre. Non, je m'occupe de lui. Par contre, l'autre... Si, oui! Ah, y'en a un autre! Évidemment, j'en ai un autre. Il est là, mec. Je sais, mais c'est qu'il y avait un droïde qui me faisait chier. Vas-y, tire au-dessus. Ah, mais putain de missile auto-guidé. Voilà. Attends, maintenant, je vais prendre un... Dire, mais tu sais qu'on a fini la mission. Ah merde. Je voulais encore battre avec le mec avec le camp. D'ailleurs, il peut jamais du personne parce qu'à chaque fois, il lui faut tomber des trucs sur la gueule, du coup, il est là. Force.
Alors on a débloqué Yoda. Lieutenant Sire. Check. Est-ce que Jake va même avoir la sulfateuse ou il va encore avoir son boîte de bague? Driss, non, la sulfateuse. C'est déjà pas mal, on avance pas mal. Évidemment qu'on continue. Allez, on est chaud. On est chaud. Dégage toi, sale d'ordonnée. Non, j'y reviens. Je suis dans monsieur. L'ombre du virus bleu. J'espère pour toi que c'est pas le colosse rocage. Hein. Tu ferais mieux de fuir. Alors. Mec, ça fait 10 minutes. Tu vas peut-être pas grand. On fait un autre niveau. Non. Ouais. L'ombre du virus bleu, nope. Lui, il est long. Hein. Ah, il est carrément duel droit. Le crash. Le crash, c'est un niveau bataille. Bon, bah, allez, vite. Allez, vite, 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 vite. Oh, allez. Question préférée. Cage à faire le plus de aux ailes. À toi de lire. Kondoku, Chibito 3, le crash. La guerre du Kondoku contre la République est menée sur beaucoup de fronts. Allez, et puis je c'est ça. Une flotte de la République menée par Ayala Sekura et Canardégon. Grandement par des frégates séparatistes de classe munificent. Et le vaste amiral des chevaliers Jedi risque d'être perdu. Heureusement, il y a deux héros Jedi qui suivent de pas loin. C'est quelque chose ça. Il y a deux héros Jedi. Mais je sais qu'il y a ces. Qui le suivent de pas loin. Ah non, c'est un niveau vaisseau! Bah ça tombe bien, on en a jamais fait depuis le début du Let's Play, on ne remet qu'au 4ème épisode. Et je crois qu'il est long. Il est pas long si tu suis le mode histoire, si tu fais n'importe quoi t'en as pour très longtemps. Si on fait le truc comme il faut, on en a pour 10 minutes. Si on le fait pas comme il faut, on en a pour 10 minutes. Donc on va le faire comme il faut. Moi je suis Anakin, toi t'es Ahsoka. On va aller sauver la Toulek. La Toulek. Oh le cron. Il faut que tu ailles aux flèches bleues. Mais je donne pas l'heure, hein, mec. C'est vrai que la dernière fois que j'ai fait ça avec toi, t'avais chouard de mauvaise note. Moi j'aime. Non mais. Là je suis en vidéo du coup. Mais à côté de ton vaisseau, je vois plus rien. C'est sérieux, fils de pute. Enfin, je préfère le bleu. Oh oui. Non, je vais t'aider, je sais pas. Je crois qu'il veut atterrir le vaisseau. Il peut plus atterrir. Il veut plus atterrir. Bah faut que t'ailles à notre plateforme. Oh mais du coup je vais faire un peu de time spatial hein. Non mec, va à notre plateforme. Bref. Je vais là-bas. Je sens gagner du temps. Déjà celle-là ou pas? Parce que ton vaisseau. Ouais. Parce qu'il y a mon vaisseau. Je ne sais pas où c'est, mais je suis aussi. Attends, je crois ça va. Oui. Une nave Ghost qui a déjà 60 constructeurs. Ça sert à rien. Oui. D'accord. Ouais. Pas grave, je peux t'aider.
fais un peu de monnaie. Ouais, c'est notre argent, ton argent et mon argent, très cher Padawan. Je crois que j'ai trouvé en fait, ouais, ce qu'il fallait aller, regarde. Ah ouais, en fait, c'est pas pour ma serpent. Ouais, voilà, c'est à dire. C'est toi qui voulais faire la dernière fois, tu vois, tu te fais content. Eh oui. Bon, j'ai activé le mien, t'as plus qu'à activer le tien. Ah, faut que tu branches l'électricité derrière, à gauche. Ouais. À gauche. Faut que bien tu répares. Vu, jeune Padawan. Non, mais si je connais la mission. Déjà, je suis ton maître. Ta gueule. Maintenant que t'as fait ça. Putain, ta gueule. Ah merde, je regardais l'écran de Enzo, du coup, je suis tombé dans le vide. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lumière bleue. Et ça fait quoi? Du bleu. Je vois. Non, non, allez vite, active le truc, Enzo. T'occupe pas des druides. Pardon. Allez, debout là-dedans. Ouais, ça doit rien. Non, je suis pas mort. Il sera pour moi. Pour nous. Oui, oui, c'est ce que je voulais dire. Arrêtez, je... Il n'a pas arrêté. Si on va là, ça va sauter. C'est juste la phrase un peu plus tôt. Oh merde, on a oublié de sauver les trucs. Dans ce jeu, ils font tellement passer les couilles pour des putains incompétents. On voit qu'il n'y a pas que. Et si c'est plus incompétent, ils se font buter comme des merdes. Coucou. Oh, les torpilles. Il faut faire vite. Il faut faire vite, il faut. Faire avec ça. Placement de pute. Oh. Bon alors faut allumer le générateur. Oh synchro. Quand on est en synchro, on saute. Na, 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 na. J'ai vu ma visite de la force. C'est pas c'est tout ce qu'il fallait faire. Non, t'as pas activé la torpille. J'ai activé quoi là? Bah tu l'as réparé certes, mais maintenant faut activer. Faut que tu utilises la mallette, je crois. Regarde, tu la vois pas? Ah oui. J'y vais mon mec. Oh. Je sais plus où les. C'est rose. Je m'en fuis. Bon alors. Pas fini, je pense, oui, il y a des niveaux, tu vois, t'as une truc, en 2 minutes tu les fais, il y en a d'autres, ils durent 10 millions. 10 millions d'années. Voilà, 3 petites torpilles, le croiseur. Il faut chevaler tout mec. Et c'est là qu'on arrive au plus chiant. Mais je suis volé. Attends, je suis gauche ou à droite. Mais moi aussi, je suis. Attends, là, c'est qu'en fait, j'étais à droite alors que je suis redevenu à gauche, je pensais. Moi, je suis volé, tout mec. C'est pas de soucis. C'est où elle se cache. Ah, regarde quand tu butes le HTCP. Bute tous les droïdes. Le but c'est de buter tous les droïdes. Oui, mais tu te donnes pas l'heure. Je suis ton maître, espèce de fils de pute. Et je suis moi, au lieu plutôt d'essayer de te promener au bord de la map. Ça sert à rien de la chercher maintenant, elle passe pas. Mais bon, je la cherche pas, elle cherche les droïdes. Quel droïde? Je viens vous chauffer, princesse. Tu dis qu'il a pas spawn, mais t'es un beau chuton. On est là! On est là! Il en manque deux. C'est pour ça que vous pouvez pas passer. Écoute, ma gueule. Rien de recouvrir la vue. 16. Oh le fils de. Allez, maintenant tu peux prendre la toulette. Oui. Le mec, je lui vais prendre la toulette, le mec, il va la tabasser, tu sais. C'est trop bi. Alors, moi, je prends le commandant Blaye.
Alors là, faut passer, mais je sais plus comment ça. Qu'est-ce qu'il faut faire. Si, c'est avec le feu là-bas. Non. Donc, légende, petite ellipse. Bon, j'ai trouvé. Donc, relégende à trouver. Yes. Allez, 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 à l'attaque. Non, 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 oh non, on rentre dans le vaisseau. M'abandonnez pas. Au revoir. Non, c'est que j'ai pas fini, faut que je détruise le truc. Bon, et moi Oh, je suis ici, ouais. Il fait qu'il est. J'ai vu. Ouais, putain, c'est bon, maman. Oui. T'avais dit qu'il a dit comme ça. Je sais. Voilà. Les femmes et leurs traditionnels sortent de la police. Oh putain! Oh les mecs, je vous jure! Oh voilà! Oh les tous les. Alors, niveau terminé, joli bras débloqué. Non, on n'appuie sur rien. Alors, on a. T'es sérieux? On est commandant Bly, ILS Ahsoka, ILS support. Mais mec, c'est casse-couille, je supporte pas quand tu. Putain, mais t'es casse-couille, mec, sérieux. La vidéo de Jabina, c'est même comme ça. Il y a plein d'ellipses, mec, elle durera pas plus de 20 minutes. Une. Non, non, mais je sais ce que je fais, mec. Et je sais où je passe mes ellipses. T'as le talent ou tu l'as pas? Je sais, j'ai déjà le montage dans la tête avant, quand on fait la vidéo, moi. Ça par contre c'est un niveau bataille. Donc voilà les gens, donc on va s'arrêter là. Donc je vous dis abonnez-vous, commentez, likez et à bientôt.